Mais il y en a, les gars, ils ont rien compris. Alors lui, mon petit Mowgli, tu vas jouer à Fortnite avec des Italiens. Et salut à toutes les truites et truites, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, mais pas n'importe quelle vidéo les amis, parce qu'il s'agit tout simplement d'une vidéo annonce. Alors pour ceux qui m'ont un peu suivi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Insta, Twitter, vous les avez en description, va les checker, important, parce que ce qui va suivre aura un petit rapport, on va dire entre guillemets, avec ces réseaux sociaux. Donc je vous ai posté un petit truc où je vous disais tout simplement, bah est-ce que ça va, la forme, la patate, on se retrouve à 18h sur ma chaîne, petite annonce spéciale avec une petite photo en indice, une photo qui indique venez chez. Alors on va voir un petit peu ce que vous avez dit en commentaire, j'ai pas mal rigolé en voyant certains de vos commentaires. Alors il y a PSG Star qui dit c'est la plage de Venice Beach à Los Angeles, j'ai travaillé dessus en anglais, GG Beaches. Alors on va lui mettre un petit cœur, on va lui mettre un petit cœur, il a raison. Alors lui il a tapé dans le mille direct, mais il y en a les gars, ils ont rien compris. Alors lui, mon petit Mowgli, tu vas jouer à Fortnite avec des Italiens. Alors moi je pense qu'il a pensé que c'était Venise. Alors c'est pour ça que j'ai aussi pris un petit peu cette photo, pour un petit peu vous aiguiller en erreur, parce que Venice, on peut traduire ça en Venise, tout simplement la petite ville en Italie. D'où je pense cette petite réponse. On a Pierre Gros, t'es à Venise poteau. Non. Non français, je ne suis pas à Venise, je suis encore à la maison, regarde. Je ne suis pas à Venise mon petit poteau. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message? Alors on a Kilmac 4115 qui dit c'est où Venice. Bah si tu lisais les commentaires mon petit Francis, t'aurais su où c'était. Et d'ailleurs en réaction par rapport à ça, Venice ça a lieu où? À Los Angeles. Il y en a qui ont pensé que l'annonce avait un rapport avec GTA RP. Alors GTA RP c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'avais présenté quand même il y a pas mal de temps, c'était cet été, et peut-être qu'il y aura du GTA RP, mais cette annonce n'a rien à voir avec GTA RP. Ce que je vous propose mes petites truites, on va arrêter de tourner autour du pot. Comme c'est à Los Angeles, je pense que c'est pour le 3. Alors mon petit Francis, t'es pas loin du tout. Alors je serai présent à Los Angeles du 6 juin au 16 juin pour 10 jours. Je serai donc présent pour commencer à l'IE Play 2018. Donc c'est un salon qui est organisé par IE Games, et c'est tout simplement grâce à eux que je serai présent à Los Angeles. Ils vont me payer le billet d'avion, aller le billet d'avion, retour, le logement. Donc vraiment un grand grand merci à IE Games qui va permettre de réaliser un de mes rêves, participer au plus gros salon de jeux vidéo du monde, donc avec cette IE Play et l'E3 qui s'en suivra. Et du coup bah j'aurai la chance d'assister à cet événement et de rencontrer les plus grands joueurs du monde dans le grand ninja que je suis quand même depuis maintenant pas mal de temps. On a mis... Alors avant de vous présenter la liste de tous les joueurs, je vais quand même vous parler un petit peu de ce tournoi, comment ça va se dérouler. Ça va être en équipe de deux. Vous allez avoir un joueur professionnel et une grande star. Donc ça peut être du basket, chanteur, DJ. Enfin il y a plein de personnalités. Vous allez voir derrière la liste, j'en connais pas beaucoup. Vous allez essayer de m'aiguiller et me dire en commentaire s'il y en a que vous connaissez. Et c'est très simple, ils vont jouer pour 3 millions de dollars à gagner, qui pourront tout simplement reverser à l'association caritative de leur choix. Donc vraiment énorme événement. Je serai présent, on aura 3 français: Gotaga, Skyheart et Kinstar. Et au niveau ben, des autres joueurs étrangers, on a Mid qui a été annoncé, qui sera avec Paul George, je ne connais pas du tout. Marshmello, je sais que c'est genre un mec qui fait de la musique, un DJ peut-être. On a Pokémon, je connais pas, qui sera avec Designer. Designer, on connaît quand même, un grand grand rappeur. Mark Plier, je connais pas du tout, il sera avec Joel McHall. Gotaga qui sera avec Demetrius Johnson, qui lui est un champion de MMA qui rigole zéro. Le YouTuber Ali avec Pete Wenz. On a Willy Ranks avec Prince Royce. Enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de personnalités. Vous avez toutes les informations sur leur site et il n'y a qu'une partie qui a été dévoilé. J'ai hâte de participer à cet événement, mais je voulais pas m'arrêter sur ça les amis. Grosse annonce, pourquoi? Parce que forcément bah, je serai là-bas pendant 10 jours. Et du coup là où je voulais en venir, et grosse annonce pourquoi, bah je serai à Los Angeles. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et je voulais savoir bah, qu'est-ce que vous aimeriez que je crée comme contenu là-bas. J'aimerais bien vlogger, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de vlogs dans ma vie. Je suis d'ailleurs même un Bambi du vlog. Donc est-ce que vous aimeriez voir des vlogs, même s'ils risquent d'être un petit peu Bambi? Peut-être qu'il y a des monteurs qui vont m'aider à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez voir des vlogs de l'E3, plutôt des vlogs de LA, un petit peu de tout? Mon voyage, la présentation un peu des différents jeux que je vais pouvoir tester là-bas, notamment avec IE Play. Étant donné que sur place je vais avoir tout le matos nécessaire pour pouvoir travailler, je pense également vous faire des petits lives en direct de Los Angeles. Donc dites-moi vraiment un maximum d'idées en commentaire, je lirai vraiment tous les commentaires. Et pareil pour cette barre de pouces bleus, je compte sur vous pour l'exploser. Pour finir cette vidéo en beauté, on va enchaîner avec un funny moment de Zilla. Vous avez sa chaîne en description, il envoie du très très lourd. Faites-moi péter cette barre de pouces bleus pour ce voyage. Ah, elle est une truite. Ah, il est mes pitchés, ça va envoyer du très très lourd. Et c'est parti, les amis. Le petit massage taille sur Big Check. Flouf 709. Alors qu'est-ce qu'il nous fait?
Oh, petite boogie en main. Ok, la boogie. Non, il va pas le faire à la répulse. Oh. Ah, il veut aller voir. Il va dans la tempête pour aller voir qu'il a bien fait le kill, le cafard. Énorme. Belle première action. On enchaîne avec Albi, WH. Albi Wu, tout simplement, les amis. Oh, joli. Avec le petit jump de la météorite. Oh, la petite fonction replay. Oh. Ah ouais, fâché le petit plan de jeu. J'ai beaucoup aimé. Haim Esteban, 04-05. Ok, aux pompes, ça cale des balles. Putain, en tout cas, j'ai hâte pour LA, les amis. Dites-moi vraiment en commentaire un max d'idées de ce que vous aimeriez voir comme vidéo une fois là-bas. Ne me demandez pas des noscopes comme ça, les gars. Parce que moi, non. Mais non, bitches. Désolé, je pète mon cap, faut que j'arrête. Ok, Steven Gaming. Non mais je suis trop content, les gars. À ma place, vous seriez surexcité comme moi. Moi j'ai la merguez qui frétille comme jamais. Ce sera ma première fois de toute façon dans un pays américain. Et j'espère juste que je vais passer la frontière avec ma tête. Parce que ça, moi je pense que je vais me prendre un truc comme ça. Tu vois, ils vont voir un petit arabe arriver. Ils vont faire: ah ouais non, toi Francis, tu passes pas. Le 3 c'est mort. Tu rentres dans ton pays. Enfin j'espère, on verra. On verra si je passe. Dites-moi en commentaire, vous pensez que je vais passer la frontière ou pas? Oh. Ok. Avec le mode Thanos, il était contre un petit Bambi de qualité. Oh, le piège là-bas. Attends, ça met des balles, mais il meurt pas. Oh, ok, premier KO ici. Ok, là on est sur de la play, ouais. Ça se voyait à comment déplacer la souris. Oh, le piège. Joli la fermeture. Putain, ils ont mis des pièges partout, ces cafards. Ça, je pense, c'est les ennemis, c'est pas lui. Ok, pas mal. Petit nettoyage, pas mal. Pas de truc de ouf, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, les Bambis? Ils vont le tuer à la pioche? Non! Non! À chaque fois que je regarde à droite, j'ai mon retour à droite. Tu vois, j'ai envie de me voir dire non, je sais pas pourquoi. Oh, il s'est sauvé! Oh non! Non! Regardez, ils paniquent, les Bambis, ils paniquent! Oh, ils savent pas construire! Oh, il a pas de build. Non. Oh my god, l'action, elle est épique. Tug pro. Ouais, Bambi pro. J'aurais mis. Oh, Thanos. Oh. Il dansait avec Thanos, énorme. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a ouvert à son pote. Une répulse. Non. 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 Non, il l'a sauvé. Waouh. Oh, petite répulse. Oh. Oh, joli. Putain, non, mais l'action d'avant, impressionnant. Putain, comment le sortir de la zone, quoi. Impressionnant. Waouh. Waouh. Ok, petite grenade collante. La deuxième, elle est collée sur lui. Aïe, aïe, aïe. Le massacre. Toute la team qui tombe quasiment. La petite jubilation. On enchaîne avec Sammy Bow. Oh. Non, les pièges. Oh, regardez où il est caché. Ah, il l'a vu. Oh. Oh. La danse du Bambi. Oh non. Oh, elle revient sur lui. Je me casse. Je me casse pour de vrai, les gars. Non, ça c'est pas autorisé, les gars. Elle est énorme. Hey, Zilaz. Hey, Zilaz, tu gères. Tu gères, mon pote. Vraiment du très très lourd ce qu'ils m'ont produit, le petit Zilaz. Je valide. Alors là, j'ai pas vu cette action. Ok, Skybase. Voilà, ça a tout des peuples, les gars. Ça va être un carnage. Commence à mourir. Oh, et ça jubile. Oh, la victoire royale. Ok, sur une skybase. Plutôt standard. D'ailleurs, on voit beaucoup de skybase en ce moment avec notamment le mode coup de pompe. C'était un petit peu la mode. What? 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 Regardez, ils sont pas ensemble. Ils font la queue. Non, mais what the fuck?
Énorme. Flouf. Oh, what? Non, non, non. Non mais les gars sont beaucoup trop chauds, Pitches. Putain, je crois que j'ai crié. Pardon, pardon pour les tapants. Live sponsorisé par les orthophonistes. Ouais, non. Non, le gars des oreilles. Enfin, le gars des oreilles, vous m'avez compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est des ennemis? Entrain, entrain. Guten Tag. Guten Tag. Ich liebe dich. Oh! Le mec, il pète un câble. Il était en squad avec ses poteaux. Énorme. Et pour l'instant, les actions, elles sont vraiment épiques. Ça nettoie au pistolet mitrailleur. Oh, il y en a un autre. Ils sont au nouveau spawn là. Allez. Mais tu fais quoi? À la pioche? Oh le cafard. Ah oui, non, il va tomber. Non. Énorme. Oh, un petit mode studio. C'est nice. Alors, plus beaucoup de vie, ok. Ça, c'est un méchant ça. Qui rush. Ok, il y a les pièges. Il va l'ouvrir. Oh là 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 là, le double piège. C'est là où le double piège devient plus fort parce que ça tue plus d'un coup le piège. Donc double piège, un coup, deux coups, ça tombe. Plutôt pas mal. Ok, son poteau qui vient de tomber. On est avec Omar Al-Hamadi. Ah, c'est une squad. C'est une petite squad qui doit nettoyer, les gars. Est-ce qu'il va y arriver? Ouais, ça nettoie pour l'instant. Joli, joli, plutôt propre, plutôt propre. On valide le petit Omar. Do it! RPR Wavi. Alors, on le voit là courir. Il va nous faire un shot sur le planeur. Ah, il va l'avoir en l'air. Non, pas en oscope par contre, s'il te plaît. Mom! Restons calmes, restons calmes. Important, important de rester calme, les amis. Important, bitches, tu restes calme. Putain, je suis tout excité, les gars, le fait d'aller à aller. Je pense aussi d'être debout, d'être un peu libre, comme ça, de pouvoir bouger, de mastiquer la saucisse, sans que vous voyez rien du tout, et ça, c'est plutôt cool. Non, putain. Oh. Un français. C'était un français, les gars, énorme. Il a ragé comme jamais. Sol, replays. Oh, c'est l'intro d'Ares. Oh. Joli. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh là. Oh. Oh, ils veulent le tuer à la pioche. Oh là là. Les cafards. Le top 1 à la pioche, il est fait. Je crois que j'ai jamais fait de top 1 à la pioche où vraiment le gars je le tue à la pioche. Dites-moi tiens en commentaire vous, est-ce que vous avez déjà réussi le petit top 1 à la pioche? Pour ma part, jamais. Ah, qu'est-ce qu'il va nous caler comme... Oh, là-bas, regardez, regardez. Oh là 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 là. Oh, il lui dit bye. Ça fout les nerfs, ça. Allez, Florian. Do it. On a une très bonne qualité visuelle de Florian. Oh. Là, c'est pas mal, ça. Double tête, comme ça. Deux personnes d'affilée. C'est un Bambi, le tue pas. Ok. Oh, oh le bug. Les bras tout tordus. Non mais what the fuck. Loop. Oh. Il l'a laissé. Oh le caf. Oh. What the fuck. Tu portes la Benin. Il s'est passé quoi? What? Le mec, pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Attention, le petit jump. Ouh la grosse bat. What the fuck? Oh! Non! L'autre s'est enfermé, il est dead, ok. Là-bas, tu l'as vu? Ouais, plutôt belle roquette. Ok, une autre roquette ici. Ça élimine un joueur. Encore un là. Putain, il va le faire, hein. Mais, what? Oh, ici! Oh là là, regardez comment ça crie. Oh, il est là, il est là. Oh.
Ils deviennent complètement fous et c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, ben, bombardez-moi cette barre de pouces bleus, je rappelle, en commentaire. Dites-moi ben, des idées de contenu que vous aimeriez voir pendant mon séjour à Los Angeles. C'est l'occasion de tourner des trucs assez originaux et qui changent de ce qu'on voit d'habitude sur la chaîne. Donc faites-moi péter cet espace, commentaire. Moi je vais vous faire des gros bisous et à très vite pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo.